Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Manon Chou 14. Donc vu que c'est ma première vidéo, je vais commencer par faire une brève présentation. Je m'appelle Manon, j'ai 17 ans. Je suis lycéenne. Niveau tournage, alors j'ai des éclairages, donc un lampadaire, une lampe de bureau et l'extérieur. Merci le soleil quand tu pourras bien pointer tout. Et niveau caméra, j'ai soit ceci qui en plein milieu de ma vidéo m'a lâché. Donc vu que ça fait je sais pas combien de temps que autour de moi je fais que dire que je vais tourner une vidéo et que mes copines me disent tout le temps oh c'est quand tu vas faire ta vidéo là hein? Et que là je viens de prévenir quelqu'un, Kédas, tu passes par là, tu fais des bisous, qui m'a dit ah tu me dis donc. Je la tourne, mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon téléphone. Super. Voilà. Donc le son est pourri et la vidéo, enfin la qualité aussi. Mais bon, vous m'excuserez, hein. J'ai pas eu les moyens de m'acheter un super appareil photo pour l'instant. Ça viendra, mais pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Le décor va beaucoup changer aussi parce que je bouge beaucoup. Donc j'essaierai que quand je bouge, de faire des vlogs à la place des vidéos normales. Donc je vais faire un haul solde et pas solde. Pourquoi solde et pas solde? Parce que j'ai acheté des trucs soldés et des trucs pas soldés, tout simplement. Et des trucs pendant les soldes et des trucs pas pendant les soldes. Donc voilà, bah, je vais commencer maintenant. Parce qu'au bout de la refaire depuis... Je l'ai refait au moins 10 fois hein, la vidéo. Hein, parce qu'il y avait un problème d'éclairage. Mon téléphone est tombé, donc du coup, bah... Le truc, c'est que je m'en étais pas rendu compte et du coup, bah, la vidéo... On voit juste là mon appareil photo qui m'a lâché, enfin bref. La prochaine vidéo, je vous promets, j'essaie de la tourner avec mon appareil photo pour que la qualité soit mieux. Voilà. Abonnez-vous quand même, s'il vous plaît. Ayez pitié. Donc je vais commencer par les vernis de chez Yves Rocher. Donc Yves Rocher est une marque que j'aime bien, honnêtement. Ces vernis. Ces petits vernis m'ont beaucoup épaté. C'est les vernis qui sont sortis pour la collection de Noël. Ils étaient à moins 70% je crois. Ils étaient à 25 ou 75 centimes, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris le numéro 23 Corail Givré, qui se présente comme ceci. J'ai pris le numéro 62 Vert Givré, qui se présente comme ceci. Le numéro 14 rose givré qui se présente comme ceci. Et le numéro 91 argent givré qui se présente comme ceci. Que je porte sur mes doigts d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi ils m'ont beaucoup surpris. Dans la suite de la vidéo, bien évidemment. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, alors j'ai acheté. Acheter ce blush, voilà, simple, je vais faire un swatch, donc très rose, très, franchement, il est tout simple, il fait très très naturel, de Max More Makeup, le numéro 32, Rosewood, je l'ai acheté à Action, Action est un magasin du style Stokomanie, Nose, mais je trouve en mieux. Et je crois que je l'ai payé 50 centimes. Donc pour un blush, voilà. Il se présente comme ça. Là, il y a une petite glace. Avec petite éponge. Que je ne me sers pas. Moi, je me sers de mes pinceaux. Enfin, là, vous voyez que je m'en suis servi. Mais c'est quand je pars et que j'ai pas très envie de prendre mes pinceaux avec moi. Après, j'ai acheté un miroir. Comme ceci de chez Maison du Monde. Je l'ai alors voilà pour éviter en solde parce qu'en fait il ferme pas quand on fait ça parce qu'il faut appuyer sur le bouton et fermer. C'est vrai que c'est très très compliqué, mais bon, voilà. Je l'ai dû payer 2,50€, je crois, à moins 50%. Donc voilà. Après, nous avons. Ah, on va parler du flop total directement, hein. On va aller très vite. Alors, pour la petite histoire.
Moi qui suis fan de maquillage, je voulais acheter les vernis au PI, que vous devez connaître. Sauf que le prix, comme à chaque fois, me freine beaucoup. Et j'ai vu que les vernis Sephora, donc à Sephora, étaient soldés. Je me suis dit, oh Sephora, c'est quand même de la bonne marque. Donc, comme un pigeon, qu'est-ce que je fais? Je les achète. Bien sûr. Donc, je crois qu'ils étaient à 2,25 € pour ça. Bon, on va pas trop leur faire de la mauvaise pub. Mais honnêtement, donc j'en ai mis sur moi, avec donc base, deux couches et top coat, bien évidemment, que j'ai acheté chez Sephora. Je vais lui montrer après. Et honnêtement, ça tient une journée, allez, 2 journées maximum. J'ai même fait sur ma maman, tout ça. Non, ça tient pas. Ou alors, faut pas toucher à ses doigts, quoi. Faut les mettre dans du coton. Je vais quand même vous les présenter. J'ai pris donc le rose comme ceci, le numéro 14, Lively. Ah, vous m'excuserez, je suis nulle en anglais. Fuchsia. Margot, si tu passes par là. Voilà. Comme ceci. Margot, elle me connaît très bien en anglais, c'est pour ça que je dis ça, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le noir, le numéro 17, Deep Black. Voilà. Et le numéro 20, French Fresh Pink. Voilà. Donc honnêtement, flop, flop, flop. Ou alors faut changer son vernis tous les jours. Et donc, bonne gourde que je suis jusqu'au bout, il y avait une offre chez Sephora. Un vernis de la nouvelle collection achetée. Deux vernis de la nouvelle collection achetée, troisième offert. Il y avait trois top coats qui me plaisaient. Donc, l'effet craquelé, le numéro 2, le Night Designer Top Coat 1. Craquelé argent, tout simplement, qui se présente comme ceci. Le effet mat, il n'y a pas de numéro, le top côté effet mat. Et le numéro 8, le effet gel, tout simplement. Voilà. Et en fait, en passant à la caisse, l'offre était toujours affichée, mais l'offre n'était plus valable. Voilà. Et bonne gourde que je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai pris quand même. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Le effet mat, je l'ai essayé. Franchement, il fait bien effet mat. Bien. Le effet gel, honnêtement, je vois pas de différence. Et le effet craquelé, je l'ai pas essayé encore, honnêtement. Je peux pas vous dire, je l'aime pas ou quoi. Je ne l'ai pas essayé. Après, on va rester dans le maquillage. J'ai acheté ces deux merveilles. Donc, ces deux merveilles, donc c'est. Bon, je ne les ai pas vraiment achetées. Je devais les acheter, mais en fait, c'est la maman de mon copain qui me les a offert. Et en fait, c'est même pas des merveilles à ce niveau, c'est une révélation. Ils étaient en promo à Cora. C'est Cora, c'est ça. Cora, au lieu d'être à. Bah, ils étaient à moins 50%. Donc je ne sais pas si l'offre est toujours valable. Pour ceux qui avaient la carte, exclusivement. J'ai pris le numéro 360. Qui est comme ça. Un rouge très femme fatale. Un petit swatch. Donc voilà. Mais ce qui est magnifique dans ces rouges à lèvres, c'est qu'ils n'assèchent pas du tout les lèvres. C'est grâce à Noémie Makeup Touche que je les ai achetés. D'ailleurs, Noémie, si jamais par hasard tu passerais par là, et ben merci de m'avoir fait craquer. Hein? On ne dira rien. Et le numéro 630. Comme ceci. Donc c'est un nid aux dents.
tout ce qu'il y a de plus basique. Mais avec, pour aller au lycée avec un... je trouve plus les mots. Les yeux vraiment très chargés, c'est juste une tuerie. Ensuite, je commence déjà à en avoir partout. Pour aller avec, j'ai acheté, enfin, la maman de mon copain a acheté le gloss. Ah, je crois que j'ai pas précisé la marque. C'est de Rimmel. D'accord. C'est vrai que j'ai pas précisé. Et celui-là, c'est Rimmel London, exactement. Le mini gloss, alors je sais pas s'il y a des numéros. Non. Bon, c'est un transparent, quoi. Tout basique. Mais très classe. Par exemple, quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres ou quoi, je mets juste un petit coup de gloss comme ça et c'est très très bien. Après, donc chez Yves Rocher, c'est vrai, j'ai pas fini. J'ai acheté le mascara paillettes de la collection pareil d'été qui était à 1€ et des entre 1 et 2€, je crois. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est une brosse comme ça. Honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé, donc rien dire. D'accord. Trop douée la fille. J'arrive même plus à enlever. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai acheté le correcteur, pareil de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Le numéro. D'accord. 81 703. Je ne sais pas si c'est le numéro. C'est le beige moyen. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous swatcher, mais vous n'allez pas voir grand chose vraiment que. Vu que c'est vraiment ma couleur. Franchement, j'en suis amoureuse. Il est très très bien. Vraiment, il recouvre très très bien. Bon, déjà, j'ai une crème. J'ai la crème de chez Mixa. Attendez, je vais la chercher. Voilà, j'ai la crème, la bébé crème unifiante anti-rougeur de chez Mixa qui recouvre vraiment, mais vraiment bien les rougeurs. Oh, c'est un truc vraiment, je suis plus qu'amoureuse. J'ai fait tomber le dernier. Donc, pour finir, j'ai acheté le feutre liner. Voilà, ça. Avec. Donc, la pointe comme ceci. Honnêtement, j'en étais amoureuse. Il ne fait plus très pigmenté. Je sais pas si vous avez bien vu. Je me dépêche, mais j'oublie que les caméras. Enfin, caméras, les téléphones. Voilà. Honnêtement, j'en étais vraiment amoureuse. Il était ma révélation. Jusqu'au moment où. J'ai mis du fard à paupières, que je l'ai mis après. Et ben, ça donnait ça. Plus de pigmentation, il trace plus sur les yeux, enfin. Voilà. C'est pas marqué, attention, ne pas mettre de fard à paupières. C'est le numéro 01, le noir, tout simplement. Donc c'est tout. Mettez-moi en commentaire si jamais c'est une faute de ma part. Mais bon. Je pense pas, enfin je pense qu'on peut mettre un eyeliner après un fard à paupières, mais bon. Après j'ai été chez Kiko, donc chez Kiko j'ai acheté les deux, j'ai acheté deux crayons Kajal, donc j'ai acheté le numéro 1, qui est un beige. Moi je vais pas vous faire de swatch parce que là vous allez rien voir du tout. Et le numéro 2 je crois, voilà c'est ça, le noir. Donc, comme ceci. Et... Super, je viens de le casser. Voilà. Qui est juste là. Franchement, ils font bien leur job. J'en suis très très fière. Le beige, je le mets dans la muqueuse
inférieur généralement. Et le noir, bah je le mettais en eyeliner avant d'avoir mon eyeliner, mais je crois que bah je vais le remettre en eyeliner. Après, comme ça va plus bien de soin. Après, j'ai acheté ce petit nœud là. Ah, j'ai pas donné le prix en fait depuis tout à l'heure. L'eyeliner, je crois, il était à 6 euros. Et les deux crayons, je crois, j'en ai eu pour 11 euros les deux, je crois. Il me semble. Ça devait être à 5,50, je crois, les deux. Il me semble. Un truc comme ça. Donc soldé, bien évidemment. Sauf l'eyeliner, il me semble. Oh, je sais plus. J'aurais dû la faire avant cette vidéo, mais j'ai complètement bugué. Après, en solde, donc à 2,50€ au lieu de 5€, j'ai eu ce gros nœud là. Que je mets quasiment tout le temps. Franchement, je l'adore. Et là, c'est un nœud qui se clipse comme ça dans les cheveux. Tout simple. Donc, je l'ai acheté, c'est la Halle. À Jennifer, j'ai acheté ce serre-tête là avec toutes les plumes comme ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien acheter des trucs que je sais pas pourquoi. Le prix, honnêtement, je crois que c'était 3 euros, un truc comme ça. Mais je suis pas sûre du coup. Après, chez. Alors, pour finir dans le côté beauté, chez Claire, j'ai acheté ce collier là. Ben, celui-là, j'en suis amoureuse. À 3 euros. Voilà, donc c'est un très grand collier, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Et j'ai acheté les boucles d'oreilles qui vont avec. À 2 euros. Donc celle-là. Voilà. Et je vais faire comme ça. Celle-là. Donc c'est la paire, hein, bien sûr. Donc oui, pour 2 euros. Après, le reste, il me semble que c'était pas soldé. Non. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon copain habite Nancy. Un jour, on a été sur Nancy et j'ai vu ce piercing. Parce que j'ai un piercing d'hélix, en fait. Donc à l'oreille, pour ceux qui savent pas où c'est hélix. Et genre, j'en étais amoureuse. Et sauf que 10 euros dans un piercing, je me suis dit, oh, c'est mort. Enfin, c'est bon quoi. Et j'en ai jamais trouvé en dessous de 10 euros. Donc j'étais retournée à Claire's de Reims. Impossible de mettre la main dessus. Il n'y avait pas de personne, de piercing hélix. Rien du tout. Donc, quand on était au solde, j'ai regardé un peu les piercings. Et là, je l'ai revu. Bon, il était toujours à 10 euros. Mais je l'ai repris. Sauf que du coup, j'ai acheté le lot de boucles d'oreilles qu'elle avait avec. Donc, il y avait ces boucles d'oreilles là. Il y avait celle-ci. C'était tout un lot à 8 euros, il me semble. Et celle-ci. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour le côté beauté. Maintenant, on va s'attaquer à la partie soins. Donc, à la boutique du coiffeur, j'ai saoulé déjà avec ça. Mais saoulé pour l'avoir. J'ai attendu jusqu'au solde pour qu'elle soit soldée. Elle n'y était pas. Mais bon. J'ai fini par la prendre parce que je crois que les gens ils finiraient par me faire bouffer. C'est cette brosse à cheveux là. Cette brosse à cheveux est une révélation. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Je l'ai payé 10 euros. Enfin, 9,90 euros, comme ça. Et franchement, elle est extraordinaire. Si vous avez les cheveux comment? Longs, épais, indisciplinés et qui font plein de nœuds. Colorés, parce que je les ai colorés, décolorés, tout ça. Achetez ça. Franchement, magique. Après, chez The Body Shop, j'ai acheté la crème pour les mains au pamplemousse. Elle sent vraiment le pamplemousse. Ceux qui adorent l'odeur du pamplemousse, allez-y. À chaque fois que je la mets, on me dit oh la vache, ça sent fort. Moi, j'adore cette odeur. Vraiment, j'adore. Donc, elle fait 30 ml. Et franchement, moi, j'en mets juste une toute petite goutte.
J'ai acheté donc le gel douche Gaumont. Voilà. Au canneberge givré. Et franchement, il sent trop bon. Vous le mettez le soir, parce que moi je me réveille le soir. Vous le mettez le soir, le lendemain matin, il sent encore sur votre peau. Franchement, c'est. Il fait 200 millilitres et je pense que je vais en avoir pour un bout de temps parce que là je l'ai déjà utilisé pas mal de fois puis on ne voit même pas que je l'utilise. Donc franchement, bon point aussi pour ça. Après, chez Lush, j'ai acheté. Alors oui, je suis une fan de gel douche, donc là on arrive dans les gels douche. Ces deux gels douche là, à moins 50%. Ah oui, alors pour la crème pour les mains, je l'ai eu à 5 euros. Et ça, je l'ai eu. Enfin, le gel douche, je l'ai eu à 3 euros, je crois. Comme ça. Donc, les gels douche, je les. Donc, c'est les éditions limitées de Noël, il me semble. Celui-là, c'est sûr. Ouais, celui-là aussi. Donc, c'est le Snow Fairy. Alors, je sais même plus comment ils sont parce que je les ai même pas sentis. Oh là là. Le Snow Fairy, il sent une odeur de bonbon. Et quand je vous dis une odeur de bonbon, c'est genre le bonbon bien sucré, quoi. C'est magique. Et le So White. Alors lui, il sent la pomme verte. Je sais pas, moi je trouve qu'il sent la pomme. Avec des pommes fraîches. Voilà. Il sent la pomme verte. Et combien je les ai payés. Je crois j'ai dû, avec les moins 50%, j'ai dû les payer 2 ou 3 euros. Quelque chose comme ça. Voilà, donc après j'ai acheté les gels douche Cottage. Donc j'ai acheté le fraise et menthe. Voilà. Qui sent, je sais pas si vous voyez, les veloutés à la fraise, les yaourts. C'est trop ça. Ils sont magnifiquement bons. Et le gel douche à, donc le gel douche Cottage à la pomme d'amour qui sent aussi trop bon, mais vu que j'ai jamais mangé de pomme d'amour, je sais pas si ça sent vraiment la pomme d'amour, mais ça a une odeur très sucrée, très sucrée. Après, ma maman m'avait acheté le L'Oréal Paris de chez Elseve parce que j'avais les cheveux qui graissaient. Et honnêtement, c'est une révolution. Donc le LCR, au citrus, shampoing purifiant, cheveux normaux à tendance à regresser. Voilà. Alors j'ai acheté le gel douche. Donc les Cottage, ils coûtaient 4 euros l'un. Et le Elseve, il coûtait, je crois, 6 euros qu'elle m'a dit. Le Manava de la marque Repair, donc c'est un gel douche qui sent la rose, tout simplement. Et franchement, j'en suis amoureuse. Il a coûté 2 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ces gels douches-là, en fait, ils sont pas utilisés. C'est pas parce que je me lave pas, hein. C'est juste que je les utilise que pour aller chez mon papa. Ou pour aller, enfin, que quand je pars en fait de chez moi. J'ai acheté aussi la Mixa soin réhydratant anti-dessèchement. Donc pareil pour mon visage, franchement au top. Voilà, comme ça. En Nivea, j'ai acheté le Lécor sous la douche nourrissant. Franchement, il est super, hormis qu'il laisse un petit film gras après la douche. Mais bon, pour moi, je préfère avoir un petit film gras que de me gratter les jambes à sang, parce que c'est ce que je fais quand j'ai la peau desséchée. J'ai acheté le shampoing sec, donc la Nivea, elle était à 6 euros. J'ai un peu de mal à en donner les prix. J'ai acheté le shampoing sec Baptiste à 6 euros aussi, je crois. Je suis abonnée aussi. Donc voilà. C'est bien. Faut pas l'utiliser tout le temps. Mais moi, ce que je fais, en fait, je me lave les cheveux normalement le dimanche et le mercredi.
Sauf que le jeudi, j'ai sport. Donc qu'est-ce que je fais le mercredi, le jeudi matin? Je me mets un coup de shampoing sec. Et le jeudi soir, je me lave les cheveux. Tout simplement. Et pour finir, chez Yves Rocher, j'ai acheté le lait nourrissant 3 en 1 peau sèche. Donc grâce à ma carte, je crois que je l'ai eu à 3 euros. Quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, placez le mot cacahuète dans votre commentaire juste pour voir si vous avez réussi à supporter cette qualité de vidéo jusqu'à la fin ou pas. Et si oui, vraiment, vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. Je sais que je suis débutante, hein, donc je fais beaucoup d'erreurs. Et j'ai pas un matériel de ouf. Et là, le téléphone, je sais que ça fait pas une vidéo de ouf. Donc j'essaierai d'utiliser ce petit appareil la prochaine fois. Mais là, vraiment, j'avais tout préparé, donc je me suis dit tant pis, hein, je vais filmer avec mon téléphone. J'espère que vous serez indulgents. Et bah, un petit pouce vert ou un commentaire ou un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Puis ça coûte qu'un clic, donc s'il vous plaît. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!